Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors, quand est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.